Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière sur Pro Wrestling Sim avec la Banger Zone Wrestling. On va partir pour 3 shows hebdomadaires, on espère de qualité. En tout cas, on aura la suite du tournoi pour définir l'aspirante numéro 1 au titre champion BZW, championne plutôt du coup. D'ailleurs, ça on peut terminer hein, le tournoi. To end this tournament, yes. Donc avec Kyler Kelly. Ah, pourquoi elle n'est pas passée? C'est bizarre ça. Confirme. Voilà. Donc, heureusement que je regarde du coup juste avant pour vous faire le petit récap. Avec Miyu Watanabe contre Kyler Kelly. On aura ensuite Calypso contre Chris James. Deonna Purrazzo contre Raku. Et finalement, Céline contre Hikari Noah. Voilà pour le petit récapitulatif du tournoi féminin. Et on va donc partir directement pour les 3 shows hebdo, même s'il y a d'abord une petite info. Cette fois, c'est Nathalie Sykes qui augmente son booking fee. Et ça fait pas nos affaires, évidemment, le fait que tout le monde augmente petit à petit son booking fee. Mais bon, c'est comme ça. Il va bien falloir vivre avec. Et on va partir donc pour ce premier show. À tout de suite. Et on commence donc directement avec le récapitulatif qu'on vient de faire, nous, sous forme de tableau. C'est quand même plus sympa à voir, avec du coup toutes les catcheuses dans la vidéo qu'on verra en action et qu'on a vu déjà en action pour ce tournoi. Une vidéo évidemment à 100%, comme toujours, désormais. Et on commence avec le premier quart de finale, Watanabe contre Kelly. On avait beaucoup d'espoir et ça s'est confirmé avec un 75% de final score. 3 étoiles de match quality, un régal, tout le monde était derrière elle en plus. Watanabe qui s'impose et qui passe du coup en demi-finale en battant l'ancienne championne belge de la fédération, bravo à elle. Franchement, ça commence très très fort pour Watanabe dans la fédération et ça régale avec déjà 2 excellents matchs pour elle. On enchaîne avec Calypso qui affrontait Bardo. C'est un peu moins bien. Elles nous ont déjà sorti de meilleurs matchs ensemble. Mais ça reste excellent. Hein. C'est excellent de chez excellent. 71% avec Calypso, la championne belge, justement, qui va du coup affronter Miyu Watanabe au tour suivant. D'ailleurs, ça fait gentil contre gentil. C'est un peu bête, hein, mais bon. Soit, le booking n'est pas bon là. 71%, c'est excellent en tout cas. Et on commence du coup ces quarts de finale avec 2 matchs parfaits, ou pas loin en tout cas. Ensuite, c'était Purrazzo contre Raku et Purrazzo qui se rattrape après son 8e de finale, pas terrible. Ici, elles nous ont sorti un excellent match toutes les deux, 75% de nouveau, 3 étoiles. Oh là 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 là, c'est excellent avec Deonna Purrazzo du coup qui bat Raku sur ce quart de finale et qui se qualifie donc et qui affrontera la vainqueur du dernier quart de finale. Qui ça peut bien être? Bah, c'est parti pour le découvrir entre Céline et Noah. Ce sera Hikari Noah dans un match à 73%, 3 étoiles. Oh là 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 là. On mange bien là dans ces quarts de finale. On mange très très bien. Et Céline du coup là aussi qui se rattrape après son 8e de finale. Oh, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir là. Vous nous avez régalé vraiment. Que des matchs à plus de 70%. Que demander de plus? Sachant qu'on peut faire que 55% de show score. Donc vraiment, c'est un régal. Merci mesdames. C'est excellent. On enchaîne avec Sami Dey contre Crimson. Eh ben, messieurs, ils ont voulu se mettre au niveau des dames juste avant. 71% pour eux deux. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde devient exceptionnel dans la fédération. Mais c'est incroyable, ça. C'est beau. Mais c'est super beau. Mais merci beaucoup de nous rendre la confiance qu'on vous donne comme ça. Oh là 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 là. Et vraiment, la recrue, à mon avis, de Sarah Stock en tant qu'agent pour les matchs, vraiment, elle carie de fou aussi. Hein. On a quand même largement moins de matchs vraiment où tu te dis, ouais, c'est très très décevant, quoi. Donc vraiment, c'est un régal. Hein. Je pense vraiment que c'est un game changer de l'avoir engagé. Et elle fait extrêmement plaisir, Sarah Stock. Merci à elle. Ouais, en plus, elle aide les autres à progresser. Donc vraiment, c'est que du bénéf pour nous. On va enchaîner en tout cas avec un match pour définir les aspirants numéro 1 au titre des enfants terribles. Donc les titres par équipe. Qui ira défendre ces deux membres des francs-tireurs? Alors, c'est parti. Et ce sera à nouveau Rivality avec une victoire pour Ultima Sombra face à African Boomai qui n'a donc pas réussi à battre Rivality. Un 76% de final score.
Oh, oh là 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 là. Oh, merci. Oh là là, ça me régale. Tac, tac, tac. Oh, que des masterclass. Hein. Et vraiment, quelle équipe de fous. Hein. Ces deux équipes, c'est vraiment du régal. Hein. Que des matchs masterclass. Ils nous font rien d'autre que des matchs incroyables. Merci, messieurs. Merci. Et vraiment, on va taper un show incroyable. Hein. À moins vraiment que la suite soit pas ouf, mais les entrées, par contre, de Senza Volto, son entrée à 64, c'est décevant quand même. Mais bon, ça fait gagner en pop, c'est pour ça qu'on avait mis ça. Ça reste pas mauvais entre deux main eventers de la fédération. Alors, qu'est-ce que ça donne leur match? 73%. Oh là là, on mange Gucci là. Joe Hendry qui gagne ce match entre face à Senza Volto. Le match quality pas ouf hein, quand même. Heureusement que c'est deux énormes stars de la fédération. Et que ça compense plutôt bien avec du coup un 73%. Ouais, le pire match au final, c'est un 71%. Quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On aurait tapé 75%. On pourrait faire 20% de plus que le show rating actuel. Quoi. Oh là 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 là. C'est incroyable, vraiment. Mais quel régal. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, Porazzo contre Noah. Ah, je me suis trompé. Ah merde. En fait, je me suis trompé dans ce quart de finale là. C'est pour ça. Oh, le boulet. C'est pour ça que je trouvais aussi bizarre que ce soit Calypso qui affronte Watanabe. Ah ben, ouais. Bah, j'ai vu un Christy James se qualifier au tour suivant sans même devoir combattre. Bravo à elle. Allez, on attire pas mal d'argent. 41 425. Ah, c'est un peu moins bien. On a vendu un peu moins de tickets cette semaine. Mais en tout cas, ça reste excellent. Espérons qu'on continue de la sorte pour la suite de cette vidéo. Et qu'on se remplisse les poches avant de vraiment se mettre très très bien avec BZW World. Bobby Guns, par contre, qui veut plus d'argent, 200 balles aussi désormais. Ah là 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 là. Ouais, on est en train de faire en sorte de gagner plus d'argent, mais au final, on va les perdre. Hein. Oh, Dark Mondo maintenant. Bon, 150, ça va. Je pense qu'à un moment, il va falloir faire des choix. Hein. Avoir quelques catchers vraiment pas ouf qu'on fera perdre. Hein. Pour avoir moins de catchers qui nous coûtent cher lors des shows, parce que là, ouais. S'ils commencent tous à être à minimum 200, ça va être compliqué de chez compliqué. On verra. En tout cas, on va se retrouver du coup pour le show suivant, le show numéro 2 de cette vidéo. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour ce deuxième des trois shows hebdomadaires. Et c'est parti évidemment avec la classique une vidéo, histoire de hyper le tournoi comme toujours. 100%, ça régale. On va donc enchaîner avec des demi-finales. Watanabe contre James, qui n'a donc pas combattu la semaine d'avant. Désolé Calypso. Ensuite, on aura donc Porazzo contre Hikari Noah. Les deux vainqueuses s'affronteront la semaine prochaine. Et ensuite, on aura donc le match pour le titre féminin lors de BZW World face à Emerson Jane. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, pour le moment, les quarts de finale ont été exceptionnels. Et c'est ce qu'on attend des demi-finales qui vont suivre. C'est parti. Avec tout d'abord, donc Watanabe contre Jane, 76%. Oh, oh là là, 10 minutes. Hein. On a mis 10 minutes et nous ont sorti un 76%. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais merci, mesdames. Oh là là, 76%. Mais la dinguerie. Oh, ça régale. En plus, Stock, Watanabe et James qui a progressé. Vraiment, que demander de plus, quoi. Tout le monde s'entraide. Allez, c'est génial. Oh là là, le régal. Le régal. On mange Gucci, là. Vraiment. Allez, soit la deuxième demi-finale. Bah, c'est pareil. Oh là 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 là, 76% de nouveau. Porazzo et Noah qui s'affrontaient. Et Porazzo qui se qualifie donc pour affronter Watanabe en finale de ce tournoi pour définir l'aspirante numéro 1 au titre BZW féminine. Oh, incroyable. C'est incroyable, vraiment. Deux demi-finales à 76%. Vraiment, c'est... Je sais pas les mots. Je sais pas les mots tellement c'est excellent, quoi. Que demander de plus? Mais que demander de plus? Vraiment. Ah, à la rigueur, qu'elle gagne en pop en Europe plutôt qu'ailleurs, quoi. À la rigueur. Hein. Vraiment, on peut être chiant. Mais bon, c'est incroyable. Oh, vraiment. Quel bonheur. Mais soit, on va enchaîner, il faut redescendre les pieds sur terre et peut-être que le match qui va suivre va nous faire redescendre les pieds sur terre. Avec un match par équipe entre gens du bas de la carte, Jackson et Corvin affrontés Vadok et Cleary. Et c'est un match au final très bon hein, quand même. Et vraiment, je pense que Sarah Stock, elle nous carry de malade hein, en fait. Je vois que ça. Hein. Parce que vraiment là, 2 étoiles et demie, 68% de final score.
D'habitude, on aurait tapé un 55%, ouais, je pense. Hein. Honnêtement, elle nous carry de fou, je pense. Et c'est Jack Sannon qui a gagné pour son équipe, ce qui fait gagner un peu de pop à Corvin au passage. C'est pas mal aussi. Ça fait plaisir. En tout cas, au final, c'est un plutôt bon match, 66%. Largement au-dessus des 55 qu'on peut faire au maximum de toute façon. Donc, honnêtement, c'est très très solide et ça régale. On enchaîne avec l'annonce d'un rematch entre Mike DiVecchio et Leon Slater. Ce sera lors de BZW World. Il faudra être présent pour ce match exceptionnel qui s'annonce. Alors, en tout cas, c'est un 100% pour la vidéo. Merci messieurs, vous régalez. Le match qui suit être entre Saito et Aigle Blanc. Saito qui s'incline dans un très bon match quand même. Déçu que le final score tape pas les 70 quand tu vois le crowd reaction à 100% et les 2 étoiles et demie. Mais bon, c'est très très bon. Que demander de plus, 69%. Au final, le match tag, il a fait pratiquement autant. Ça, c'est un petit peu décevant justement du coup pour le match Saito et Aigle Blanc où tu attends quand même un meilleur niveau que quand tu vois les 4 noms qui est présent dans le match par équipe. Quoi. Mais bon. Ça reste très bon, on va pas se plaindre. Et on va enchaîner directement avec un match pour définir l'aspirant numéro 1 au titre hardcore de la fédération. C'est parti. Entre Crimson et Sami Dee, la revanche. Et c'est Sami Dee qui s'impose. 75%. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel bonheur. Quel bonheur. Mais c'est incroyable. On avait demandé un major spot. Mais quand même, quoi. Quelle masterclass. 75%, on n'en tape pas souvent. Hein. Et là, on tape 2,76 et 1,75. C'est incroyable. Et donc, Sami Dee qui affrontera Bobby Guns pour le titre hardcore lors de BZW World. Ce sera à suivre lors de la prochaine vidéo. Et on va enchaîner directement avec Tom Larufa qui a des choses à dire au micro de Christophe Ajus. C'est parti. Et il nous dit tout simplement qu'ils ont définitivement écarté David Ross de la BZW, qu'il n'a rien à faire ici et que c'est une bonne chose qu'il l'ait fait avec les francs-tireurs. Ils ont été les seuls justement à oser faire le nécessaire pour éliminer la racaille de la BZW. Bon, la promo au final visiblement n'a pas tant plu au public de BZW puisque ça n'a fait que 69%. Lui qui souhaite qu'on lui rende son titre BZW, vu qu'il affirme en tout cas que David Ross est définitivement écarté et blessé désormais. À voir si ça se confirmera d'ici BZW World. En tout cas, on enchaîne donc avec le match dont il a également parlé face à Dark Mundo, où il a affirmé qu'il ne comprenait pas pourquoi Dark Mundo voulait un match contre lui et que du coup, il va devoir l'écraser lors du main event. En tout cas, il ne l'aura pas écrasé, mais il l'aura battu, puisque ça aura duré quand même 13 minutes. Les deux étaient un petit peu à bout de souffle quand même à la fin du match. Mais bon, ça reste un très très bon match, 71%. Oh, c'est beau. Ah, je me demande la note qu'on va avoir là. On va avoir une très solide note hein, de nouveau. En tout cas, ça régale. Dark Mundo qui fait progresser la Rufa au passage. En tout cas, c'est très très bon. 75 qu'on aurait fait. Oh là là, de nouveau. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on aurait fait 75. Dommage. Dommage, dommage, dommage. En tout cas, c'est très très solide. Alors, forcément, Dark Mundo, il est heureux. 1795 tickets, on a fait plus que la semaine d'avant. On a fait moins sur Nico Nico et on a fait un petit peu plus sur YouTube. Il nous faut de l'argent, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Il va falloir en trouver. Comment ? Je ne sais pas. J'aimerais le savoir, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de show, enfin, il n'y a pas de TV intéressé par nous. Donc, pour le moment, on est toujours avec YouTube et Nico Nico, malheureusement. C'est tout ce qu'on a de disponible. Et on attend, du coup, évidemment, d'avoir des solutions. Pour avoir un petit peu plus d'argent, désormais, on est à 32,4 en termes de popularité en Europe. Est-ce qu'on est passé première fédération française, du coup, grâce à ça, franco-belge, en tout cas? Ça n'a pas l'air d'être français ou en tout cas francophone. Ça, c'est allemand, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vu le nom de l'owner, probablement. Ah, toujours l'APC au-dessus de nous. Mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin de l'APC. On va aller les prendre. Hein. Eh, c'est marrant. Gustave Lebrun qui est fait là-bas. Senza Volto aussi. Céline aussi. Ravitch aussi. Quand même beaucoup de changements par rapport à chez nous pour des catcheurs identiques. Ils ont quoi comme tag team, tiens, au passage? Est-ce qu'il n'y a pas une tag team qu'on pourrait aller prendre? Montero Salem. Bah, c'est la seule qu'on n'a pas, en fait. Montero Salem. Salem.
Ouais, lui, c'est vraiment un catcheur par équipe, hein, quand tu vois l'affiche. Il a rien de spécial en plus. Est-ce qu'il progresse quand même? Bon, il progresse pas trop en plus en psychologie. Il progresse pas non plus en wrestling skill. Il est dans deux fédérations. Et Montero. Ah, déjà, c'est un heel et un face. Ouais, il est pas terrible. Hein. Big partier. Ouais, il progresse pas non plus en plus. Bon, clairement, on n'ira pas chercher cette équipe-là. C'est vrai qu'au final, un moyen d'avoir des bonnes équipes, c'est tout simplement d'aller regarder les équipes ailleurs. Hein. Bon, la X, c'est pareil que chez nous. Mais soit, on va arrêter de discuter en boucle. On va se retrouver pour le troisième show. À tout de suite. Et c'est donc parti pour cette dernière semaine avant BZW World, le dernier show tant attendu. Petit récapitulatif évidemment en vidéo pour savoir ce qu'il s'est passé lors du tournoi pour définir l'aspirante numéro 1 au titre BZW féminin. Et donc évidemment le 100% qui régale, qui fait gagner de la pop, c'est parfait. Et on enchaîne directement avec Cléry contre Corwin, un match vu et revu mais toujours aussi bon entre les deux catcheurs du bas de la carte. Qui nous sortent une masterclass, 2 étoiles et demi, 69%. Ça régale, continue comme ça. Vous nous faites plaisir à ce niveau-là. Ouais, excellent, hein, franchement, 69%. Quand on sait qu'on ne peut faire que 55% de toute façon, que demander de plus? Je vous le demande. Allez, en tout cas, on enchaîne avec Natalie Sykes et Harley Hudson. Pretty bad chemistry as opponents. Bah, ça se voit, hein. 1 étoile et demie. Ouais, 56%. Bon, c'est au-dessus des 55, on va se dire. Ah, le retour de match catastrophique. Sarah Stock n'a pas pu faire de miracle. Ah, ça n'aura pas suffi, malheureusement, pour avoir une belle note. Mais bon, c'est comme ça. Et on va espérer faire mieux sur la suite, même si, évidemment, de toute façon, c'est suffisant pour faire le score maximum qu'on peut atteindre. Donc, pas trop grave, évidemment. Mais Philippe Chéreau est là pour rehausser la note avec un 79% sur sa mise en abîme de BZW World. Hop, on a mis les gros noms de la fédération, hein, tout simplement. Donc les deux matchs où il y a le plus de hype, quoi qu'il arrive, entre les catcheurs et alors les trois plus gros noms, tout simplement. En termes de popularité européenne, je pense qu'on a mis... Ah, je sais plus. En tout cas, c'était l'une des popularités, soit européenne, soit totale. Donc, avec Gustave Lebrun, Watanabe et Dark Mundo qui seront d'office sur l'une des deux nuits de BZW World. On enchaîne en tout cas avec un match entre Bobby Guns et Nakras. Et Bobby Guns qui vient chercher une belle victoire, de quoi se mettre en confiance avant sa défense pour le titre face à Samidi. Et là, il vient nous livrer un bon petit match, 70% malgré que ce soit une bad chemistry as opponent de nouveau. Décidément, on n'a pas de chance sur ce show. Deux matchs sur les trois qui l'ont. Mais bon, là, ils nous ont quand même sorti un bon match. Donc, ça reste bien. Il faut dire que le crowd reaction à 100%, évidemment, est pas mal. On enchaîne avec Aigle Blanc qui affrontait Jack sans nom. Et c'est pas mal du tout, là aussi. 69%, 2 étoiles. Entre deux noms du bas de la carte, quand même, hein, désormais, de la fédération. Même si on risque de les voir un peu plus souvent avec toutes les augmentations de salaire qui ont lieu sans consultation de la part des catcheurs. Donc ça risque forcément de faire en sorte que ceux avec des plus petits salaires soient plus souvent là. On verra bien. Mais là, en tout cas, ils n'ont pas déçu avec un major spot qui aide évidemment à ce qu'on ait 100% de crowd reaction. Même si je pense qu'on leur répond... Ouais, quoique, Jackson, c'est vrai qu'il est quand même pas ouf. Pas sûr du coup qu'on l'aurait eu sans ça. Mais bon, en tout cas, 69% de final score, c'est très très bon. Et on va continuer avec le retour de David Ross. Il n'est donc pas blessé, contrairement à ce que Tom Laroufa a dit. Tom Laroufa qui n'est pas présent pour ce show. Il pensait que David Ross était blessé. De toute façon, on s'en souvient lors de sa promo. Mais là, David Ross nous dit qu'il n'est pas blessé et qu'il a hâte de défoncer Tom Laroufa lors de BZW World. On verra bien, en tout cas ce sera pour la vidéo suivante. Et là, il va quand même affronter l'un de ceux qui l'a attaqué. C'est Antoine Bernard, l'un des membres donc des francs-tireurs. Et on verra ce que ça donnera. En tout cas, ici le segment est pas mal du tout. L'entrée est un petit peu décevante, 65, mais 72 de final score grâce à l'interview faite par Philippe Chéreau qui rehausse donc la moyenne. Et le match entre les deux est pas mal du tout. 74%, 2 étoiles et demie de match quality, 100% de crowd reaction. Pas mal. Merci messieurs. Ça nous fait un bon petit match sur la carte. 74%, c'est solide.
Et donc, avant la finale, retour évidemment sur leur parcours à toutes les deux, entre Miyu Watanabe et Deo Napurato, deux nouvelles venues dans la fédération qui s'affrontent donc en finale pour avoir une chance au titre BZW Women's Championship, qui va réussir à aller affronter Emerson Jean en finale. C'est plus une finale, du coup, c'est un match pour le titre. Lors de BZW World, ce sera le main event de la nuit 1, en tout cas, ça je peux déjà vous le dire. Mais laquelle des deux va réussir à se qualifier pour ce match tant attendu et peut-être justement déjà remporter un premier titre dans la fédération? C'est parti pour ce match avec une victoire de Miyu Watanabe, 78%. Oh là là! Oh là là, 78%. Est-ce que c'est pas le record dans cette partie, 78%? Ah, je me demande. Honnêtement, 78, il y a moyen, hein, franchement. Là, comme ça, je réfléchis. Il y a peut-être un match de David Ross à la rigueur qui aurait fait plus. Ouais, non, je vois pas. Hein, plus que 78, ça me dit rien du tout. Ça me dit vraiment rien. En tout cas, c'est un solide match. Donc, pour clôturer ce tournoi féminin, qui nous aura donc régalé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec que des matchs excellents, hein, pratiquement. Il y a eu un ou deux huitièmes de finale, pas ouf, mais pour le reste, c'était excellent de chez excellent, et un nouveau 75% qu'on aurait tapé si on avait une meilleure production, c'est dommage. On est toujours bloqué à ce niveau-là pour le moment, à 55, mais ça reste excellent, donc avec ces performances tout simplement divines de nos catcheurs et catcheuses qui ont régalé tout au long de ces trois shows. Alors, ouais, similaire, un petit peu moins de 1800 tickets vendus, $23, c'est $1 de plus. Et par contre, sur YouTube, c'est pas mal intéressant. Donc ça fait plaisir, hein, quand même. On fait un petit peu plus d'argent, ça régale, on en a besoin de toute façon. Sinon, on va devoir soit réduire la production, soit de virer l'un ou l'autre gros catcheur, ou en tout cas les faire moins apparaître sur les shows, ceux qui ont des gros salaires et qui pourtant ne le justifient pas forcément, hein. Donc on verra bien. Au niveau des infos, il y a Brookside à son tour qui a augmenté son booking fee à $200. On avait en shortlist Jamie Hayter, mais du coup qui a prolongé de façon un contrat exclusif, donc on ne pourra pas l'avoir. Et Mike DiVecchio qui a augmenté aussi ses attentes salariales. J'étais étonné d'ailleurs qu'il était seulement à 120, lui. Je pensais vraiment qu'il était déjà au moins à 200. Donc ça ne me surprend pas. Et alors on a Sarah Stock qui a reçu une offre. Je ne sais pas si au final elle a accepté. A priori non. Mais je ne pense pas de toute façon qu'il puisse l'engager à titre exclusif. Donc en soi je m'en fous. Tant qu'elle est là pour booker nos matchs, moi je suis heureux, honnêtement, avec les masterclass qu'elle nous sort. Autant continuer de la sorte. Et donc le tournoi féminin est arrivé à échéance avec la victoire de Miyu Watanabe lors de celui-ci et qui ira donc affronter notre championne Emerson Jean. Ce tournoi est désormais terminé et on va revenir rapidement donc sur les différents titres et leurs adversaires lors de BZW World pour la prochaine vidéo qui sera donc en deux nuits. Soyez au rendez-vous, il y aura de la qualité, vous l'avez vu. On espère évidemment que ce sera toujours aussi bon lors de la prochaine vidéo. Du côté du titre belge, ce sera tout simplement une revanche pour Mike DiVecchio qui ira défier donc Leon Slater qui a déjà défendu une fois victorieusement son titre. Il va le défendre pour la deuxième fois. Le BZW Championship sera défendu là aussi avec une revanche. David Ross affrontera Tom La Rufa. Le titre hardcore sera défendu par Bobby Guns face à Sami Dee, qui a donc remporté un match face à Saito pour pouvoir affronter Bobby Guns. Les titres tag team seront défendus par les Enfants Terribles face à Rivality, qui eux aussi ont gagné un match justement pour défendre le titre, enfin pour affronter les Enfants Terribles plutôt. Le titre belge féminin sera défendu là aussi par une revanche, puisque Kyler Kelly, après son non-règne, aura le droit évidemment à une revanche face à Calypso. Et alors le titre Women's Championship sera défendu par Emerson Jean face à Watanabe, forcément. On a vécu le tournoi ensemble, c'est assez logique que la vainqueur du tournoi aille défier la championne pour le titre en question. Et ce sera donc pour BZW World qui sera en deux nuits, les samedis et dimanches. On espère évidemment un show exceptionnel pour ce qui est l'événement majeur de la fédération. Huge
2 fois 120 minutes maximum. Donc clairement, on espère beaucoup de ce show et on espère en tout cas que ça va répondre sur le ring lors de la prochaine vidéo. Bon, évidemment, niveau production, on va rien pouvoir augmenter d'ici là, puisque les finances des deux derniers mois sont en négative. Moins soit 56 000 et moins 12 000. C'est compliqué. C'est compliqué. On a un petit peu d'avance, évidemment, mais attention, hein, on peut pas se permettre forcément d'investir du coup de l'argent, malheureusement. Là, évidemment, on va faire un mois qui sera largement positif, je pense. Mais c'est parce qu'on a deux shows huge qui vont arriver dans le week-end. Donc forcément, ça va aider financièrement. Donc ça, il faudra pas forcément le prendre en compte pour augmenter la production non plus. Sinon, c'est un risque justement de finir en faillite, hein, tout simplement. En faillite, on a le temps de voir venir quand même, mais attention quand même. C'est un point à prendre en compte, à suivre lors des prochaines semaines, mois de cette partie. En tout cas, pour le moment, en juillet 2024, tout se passe bien. Tout est plutôt bien aussi, même si on espérait davantage, hein, au niveau de la production. Mais malheureusement, pour le moment, on ne peut pas augmenter, clairement. Financièrement, ce ne serait pas tenable. Mais bref, merci à vous d'avoir suivi ces trois shows hebdomadaires. On va se retrouver très prochainement pour la suite avec BZW World qui sera en deux nuits. Ça promet du spectacle. Merci à vous et à la prochaine.